Madame, monsieur, vous êtes dans Vue sur les nets. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro. Peniel Samba, l'ex-femme de l'artiste gospel Mike Alambay, a redonné sa vie à Christ. Jennifer Lopez se marie pour une quatrième fois. Cette information peut vous faire rire. En fait, un demi-milliard de personnes en Chine ne se brossent pas les dents. Peniel Samba, l'ex-femme de l'artiste gospel Mike Alambay, a redonné sa vie à Christ. Elle l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. « Je suis retournée à l'église pour la première fois en 3 ans, dimanche dernier, et ça s'est finalement bien passé », a-t-elle écrit sur son Instagram. Jennifer Lopez se marie pour une quatrième fois. Elle aura 53 ans dans quelques jours. Elle a 2 enfants seulement et elle les a eus avec un seul homme qui est son 3e mari, Marc Anthony. Son nouveau mari a 49 ans. Jennifer Lopez totalise maintenant 4 mariages, 3 divorces, 6 fiançailles et près de 20 relations sans suite. Son premier mariage en 1997 avec Ojani Noah. Le mariage a duré 3 ans. Le deuxième mariage en 2001 avec Chris Jude. Le mariage a duré quelques mois. Le 3e mariage en 2004 avec Marc Anthony. Le mariage a duré 7 ans. 4e mariage en juillet 2022 avec Ben Affleck. Cette information peut vous faire rire. En fait, un demi-milliard de personnes en Chine ne se brossent pas les dents. Se brosser les dents est une action primordiale pour une bonne santé bucco-dentaire et une bonne hygiène en protégeant nos dents des caries et d'autres mauvaises infections qui peuvent endommager nos dents. Mais ce n'est pas le cas pour le peuple chinois. En effet, selon une étude, près de la moitié du peuple chinois ne se brosse pas les dents. Dans les zones urbaines, les gens utilisent des brindilles et du thé vert pour nettoyer leurs dents. Découvrons la tribu Apatani, cette tribu indienne où les femmes doivent avoir des bouchons de nez adaptés pour marquer qu'elles sont devenues adultes et dissuader les raideurs de les voler. Les Apatani Utan, également connus par Apa et Apatani, sont un groupe tribal de personnes vivant dans la vallée de Ziro, dans les districts inférieurs de Subansiri, d'Arunachal Pradesh en Inde. Les Apatani donnent un statut social plus élevé à l'homme qu'à la femme, bien que les deux sexes partagent les responsabilités pour s'occuper de la maison et de la famille. Ils sont réputés dans la région par leur système d'irrigation très sophistiqué. Madame, monsieur, c'était Vue sur les nets. Merci à vous pour votre attention soutenue. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.